Lucas Brasier, hâte qu'on se capte, les gars. Oui. On a une idée d'ailleurs. Voici les nouvelles que j'ai eues de McFly et Carlito par rapport au feat qu'on doit faire ensemble suite au livre que je leur avais envoyé. Et maintenant, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Buenas tardes à todos, c'est Lucas Brasier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement du passage de 0 à 10 000 abonnés. Donc, vous l'avez vu sur la miniature, le trophée des 10 000 abonnés. Donc, pour ceux qui se posaient la question, ce trophée n'est pas un trophée officiel parce que le trophée des 10 000 abonnés n'existe pas chez YouTube. Donc, je l'ai fait faire par un artisan du bois, il rend super bien. Donc, c'est un peu dans l'idée trophée de bronze parce qu'après, il y a le trophée d'argent au 100 000, le trophée en or au 1 million, le trophée en diamant au 10 millions. Mais avant d'arriver à celui à 10 millions, on a le temps. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo où je vais tout simplement vous montrer comment je suis passé de 0 à 10 000 abonnés sur YouTube. Peut-être ça vous donnera des idées, peut-être ça vous donnera envie de vous lancer. Donc voilà, c'était ça, la vidéo. Donc installez-vous, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Il y aura dans la vidéo des anecdotes de tournage, donc certains tournages que vous avez déjà vus mais dont vous ne savez pas, avec d'autres grands youtubeurs, etc. Il y aura également des conseils si vous voulez aussi vous lancer sur les réseaux sociaux par rapport à mon retour d'expérience personnelle et les erreurs que j'ai pu faire. Voilà, on va faire une grosse rétrospective de 5 ans ou 4 ans de création de contenu. Donc, mets-toi bien, c'est parti, on commence directement. Donc, tout d'abord, voilà, là, c'est la miniature que tu as vue avec le trophée des 10 000 abonnés. Donc, on est parti en 2018. Donc, vous allez avoir, en fait, à droite, les miniatures de certaines vidéos YouTube. Alors, pas que je sorte du fond vert. Donc là, de ce côté-là, certaines miniatures de vidéos YouTube. À gauche, vous aurez plutôt les dates, le nombre de vues que ça a pu faire. Moi, j'ai mon petit retour écran à gauche, donc je peux voir. On commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. 2018, pour vous mettre un peu de contexte, 2018, je commence la création de ma chaîne YouTube. Donc, elle a été créée en mi-octobre 2018, le 17 ou le 18 octobre. Non, pardon, 17 ou 18 octobre 2017, elle a été créée. Et là, au départ, je crée un compte Facebook et une chaîne YouTube vite parce qu'en fait, j'avais un objectif. C'était tout simplement, comme je vous l'ai montré, de recréer un The Voice via Internet. C'est-à-dire que je m'étais dit, l'émission The Voice, c'est cool, mais on ne peut pas le faire depuis chez soi. Il faut des déplacements, tout le monde n'est pas sélectionné. Donc, c'est là que je me suis dit, il y a un problème. On va essayer de trouver une solution. Et la solution que j'ai trouvée à ce moment-là, c'est de me dire, tiens, pourquoi on ne ferait pas un The Voice via Internet? Alors, il n'y avait pas encore l'époque du Covid, le distanciel, etc. Donc, c'était un peu précurseur sur l'idée. Et donc, j'ai fait cette série que vous pouvez voir de ce côté-là, les voix du net. Et donc, les voix du net, tout simplement, c'est un The Voice qu'on peut faire depuis chez soi où il faut envoyer une prestation vidéo. On l'envoie sur une adresse mail, je fais un montage, je l'envoie à des jurys. Donc, voilà, j'ai vraiment monté une émission The Voice que les gens ont pu faire depuis chez eux. Et au niveau du résultat, ça a super bien rendu. Il y a eu... j'avais créé un compte Facebook et un compte YouTube vide. Le compte Facebook, il y a eu des milliers d'amis. Avec ces milliers d'amis, j'ai pu avoir une cinquantaine de participants. Et sur cette cinquantaine de participants, j'ai pu avoir après des gens qui ont accepté de jouer le jeu, qui sont allés en demi-finale, finale, etc. Les jurys, il y a eu des gens qui faisaient partie de la radio. Enfin voilà, il y avait des bonnes personnes. Et sur le lot qu'il y a eu pour le gagnant aussi, j'ai oublié de vous dire, il y avait un lot pour le gagnant. La personne a gagné la réalisation d'un clip à hauteur de 1 500 €. Donc, c'est vraiment un chouette cadeau, c'était vraiment une chouette aventure. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mes 5000 premières vues et mes 200 premiers abonnés. On repart tout de suite dans le vif de la vidéo. Donc, voilà, ça, c'était la petite introduction. On a commencé par le domaine de la musique. Ensuite, on montre, enfin, Saprimousse. Donc, voilà, ça, j'avais envie de vous en parler. C'est 2018, voilà. 2017 à 2018, je fais ce projet Les Voix du Net. Il s'arrête été 2018. Et septembre 2018, je fais ma rentrée en études supérieures et je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et je m'étais dit, YouTube, ça me plaît, j'ai envie de faire des vidéos et je vais renseigner les étudiants qui sont dans des classes avant la mienne pour leur dire tout simplement comment ça se passe en études supérieures. Donc, j'ai fait une prépa scientifique. Donc, j'ai parlé tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, de la prépa scientifique. Donc, voilà, première vidéo en non répertoriée d'ailleurs. Et la première vidéo publique que vous voyez là juste ici, c'est celle que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube et qui est actuellement disponible comme vidéo la plus ancienne. Donc voilà, je fais mes premières vidéos face caméra. Au départ, je ne suis pas à l'aise. Je mets du temps à m'adapter à la caméra. Je n'ai pas d'extrait à vous montrer là tout de suite, mais je vous invite à aller les regarder si vous voulez. Vous verrez que je ne suis pas à l'aise du tout. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand on commence la création de contenu, c'est pas grave si vous n'êtes pas à l'aise. Vous allez le développer au fur et à mesure du temps. Là, je m'apprête à faire une vidéo en full impro sur, je ne sais pas, elle va peut-être durer 5, 10, 20 minutes, on va voir. Mais voilà, c'est des compétences que vous allez travailler au fur et à mesure que vous allez pratiquer. Et donc là, sur le côté, vous voyez les dates. Donc on est en novembre 2018, il y a plus de 4 ans. Et on commence donc les premières vidéos face caméra sur la prépa. Ensuite, le 2019, on lance un défi. Donc, 2018, vous voyez, je me mets en jambes, je commence à me dire, bon, voilà, création de contenu, ça se passe bien. On continue d'évoluer, d'avancer. Et là, en 2019, je me dis, Lucas, on va publier une vidéo par jour pendant un an. C'était un défi que j'avais envie de me lancer et voir si j'en étais capable. Et au final, comme vous l'avez déjà vu, 418 vidéos en 365 jours. J'ai publié plus d'une vidéo par jour. Donc, vous pouvez le voir ici, on le voit, 500 abonnés, merci à tous.
Donc, en même temps, je peux vous montrer la progression. Donc, pour la progression, faut peut-être que je me mette. Hop, je me retire 2 secondes. Vous voyez, là, vous avez la progression. Donc, on le voit, on était en février 2019. Donc, février 2019, ici, on atteint les 500 abonnés. Et je vais vous montrer comment on est arrivé jusqu'aux 13 000 abonnés. Donc, on reprend. Hop, je me remets. Là, vous avez les 500 abonnés. Le premier jeu concours, c'est pour ça que je voulais vous le mettre, cette capture d'écran. Premier jeu concours avec Junot qui m'a fait confiance quand on avait à peine 400, 500 abonnés. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour faire des partenariats. 500 abonnés, ça peut suffire pour mettre en place ses premiers partenariats. Donc, voilà. On repart ensuite sur les avancées. Donc, comme à une certaine période, on a été deux sur la chaîne YouTube. Donc, j'étais avec une personne ici qui a participé à la chaîne YouTube, une amie qui était en prépa MP. Mais finalement, elle n'est pas restée sur la chaîne parce que voilà, YouTube, ça lui plaisait pas. Donc, elle a fait quelques vidéos qui sont maintenant plus sur la chaîne parce que je lui avais demandé, ouais, est-ce que tu veux que je les retire et tout. Elle m'avait dit, oui, on peut les retirer. Voilà. Donc, en tout cas, ça, c'était les débuts. Donc, on va dire, au départ, je parle de musique. Après, je suis à prépa MPSI. Après, je tente un featuring prépa MPSI et MP qui n'aboutit pas parce que la personne n'était pas assez motivée pour parler de la partie prépa, etc. Elle avait aussi beaucoup de travail à faire à côté. Vous imaginez bien qu'en classe préparatoire, les concours, c'est assez. Ça prend énormément de temps. Donc, moi, je continue ma petite vie, voilà, mes petites vidéos quotidiennes. Tout avance pour le mieux. Donc, là, on était sur 2019. Et là, 2019, au mois de mai. Devenir un gamers. J'ai mis ça pour faire une petite blague, mais parce que peut-être vous le savez pas, vu que les vidéos sont plus sur la chaîne, mais j'ai mis aussi des vidéos gaming à une époque. Donc c'était en 2019, donc je les ai retirées également. Si vous voulez maintenant du gaming, je vous invite tout simplement à venir me suivre sur Twitch. Donc voilà, vous avez l'overlay qui apparaît. Je fais des lives tous les dimanches à 20 h. Donc si vous voulez venir discuter, échanger ou même jouer, c'est là que vous pourrez me retrouver. On reprend tout de suite la vidéo. Donc j'ai fait des vidéos gaming sur Garry's Mod, j'en avais fait un peu sur Dark Souls, etc. Donc voilà, quelques vidéos que j'ai mis sur la chaîne qui avaient rien à voir avec ce que je faisais sur la chaîne. Donc ça aussi c'est une question que je me pose. Est-ce que des vidéos gaming ça vous intéresserait sur cette chaîne YouTube? Je pense pas forcément parce que c'est pas ce que vous souhaitez ou ce que vous regardez principalement. Mais je me disais peut-être un petit best-of de ce qui se passe sur Twitch une fois par mois, un peu à la mode rewind, ça peut être une bonne idée. Donc on reprend les teasers, donc voilà, une petite période gaming, pas beaucoup, hein, j'ai mis 20-30 vidéos. Ensuite, Pentecôte en Y, voilà, j'avais envie de mettre ce titre parce qu'il y a une raison. En fait, pendant l'été 2000, du coup, c'est l'année 2019, j'allais dire 2020, et non, c'est aussi vieux que ça. C'était pendant l'été 2019, j'ai publié une vidéo par jour, mais pour publier une vidéo par jour pendant l'été, sachant que j'étais plus dans mon appartement étudiant et que mes parents ne savaient pas que je faisais des vidéos YouTube à cette époque, il fallait que je trouve une solution. Et pour la solution que j'ai trouvée, tout simplement, c'est de me dire, tiens, si on tournait toutes les vidéos en 2 jours, voilà, c'est ce que je me suis dit, tout simplement. Donc j'ai tourné un total de 50 vidéos en 2 jours, donc ce qui est tout simplement colossal, vous vous en doutez. Et bon, après c'est des vidéos sans montage, donc je tiens à vous le dire, vidéos sans montage, c'est un peu plus simple à mettre en place que des vidéos avec montage. Mais quand même, en fait, si vous voulez, j'avais une liste avec 50 sujets, et les 50 sujets, bah, je les ai tournés à la suite, face caméra. Donc on le voit, ça donne des vidéos de 5 minutes, des vidéos parfois de 10 minutes, il y en a même eu des vidéos de 15, 20 minutes. Mais voilà, c'était un marathon 9 h-18 h, et en 50, enfin, en 2 jours, j'ai fait tourner 40 vidéos le premier jour, 10 vidéos le deuxième, et après j'ai fait les miniatures, etc. Donc pour vous dire que si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, bah, n'hésitez pas tout simplement à persévérer. Alors je ne vous dis pas de faire 50 vidéos en 2 jours, mais au départ, si je devais vous donner un conseil, c'est de faire beaucoup de vidéos face caméra sans montage. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous trouvez une idée de sujet. Une fois que vous avez une idée de sujet, vous le tournez et après, vous le publiez. Et au moins, ça vous permet de travailler la progression, l'aisance à l'oral. En fait, ce qui fait que vous allez pouvoir être plus en plus à l'aise à l'oral, c'est de tout simplement pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il y a beaucoup de sports comme ça, enfin, même dans des sports, c'est le même fonctionnement. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, si vous commencez par faire des vidéos où vous allez tout simplement faire votre première prise, etc., et faire beaucoup de montage, vous allez passer des heures à faire du montage sur une vidéo où vous n'êtes pas du tout à l'aise face caméra, ce qui fait qu'après, bah, la vidéo, elle rendra moyen et vous aurez travaillé beaucoup pour peu de résultats. Au départ, pour vous donner un petit conseil, vous faites beaucoup de vidéos sans montage, comme ça, vous gagnez en aisance à l'oral, en aisance à l'oral, et quand vous êtes à l'aise, vous commencez à faire du montage vidéo, à rajouter des incrustations, à travailler un petit peu plus la partie post-prod. Mais au départ, vraiment, je vous conseille de envoyer du contenu à balle et d'en envoyer plein, 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 plein. Donc voilà. Là, on arrive donc sur l'été 2019. Donc, pour vous faire la petite rétrospective comme avant été 2019, on en est où? Donc, été 2019, on voit, on est en train de monter. Donc voilà, on atteint les 2000, 2500 abonnés. Donc, le quart du premier objectif qu'on s'était fixé. Et comme on le voit, ça met du temps d'atteindre les objectifs. Donc, c'est pour ça, faut pas avoir peur et se dire, ah mince, je vais jamais y arriver, etc. C'est de la persévérance, c'est de la passion. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez quelque chose qui vous plaît sur votre chaîne YouTube si vous la lancez. Parce que sinon, ça marchera malheureusement jamais. Ensuite, on avance 2020, Usain Bolt en sueur.
Je sais pas pourquoi j'ai mis ce titre. Mais ah oui, c'était pour montrer un petit peu l'accélération des rencontres, des trucs sympas. Donc là, dans les vidéos sympas, vous voyez, première vidéo de l'année en 2020. Donc j'avais à peu près, bah, comme vous l'avez vu, je devais avoir un peu plus, donc 3000 abonnés. Non, un peu moins de 3000. On a fait le plus grand escape game de France. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de fou pour une collab. Une vidéo avec le plus grand escape game de France. Donc voilà, c'était une super rencontre, hein, une super vidéo qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup aimé tourner. Et une super rencontre, le gars était super sympa. Donc voilà pour cette partie-là. Et également, oh, je vous remets le partage d'écran, je suis obligé. Est-ce que vous avez vu ce qu'il y a là? Hein? Une excellente journée. Ma première rencontre avec Oli, donc de Big Flo et Oli, des chanteurs que j'apprécie et aussi des personnes qui ont un parcours, je trouve, super inspirant sur le côté bah, partir de rien et réussir à monter tout là-haut. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose de super motivant et super inspirant. Donc par rapport à ça, c'est que du coup, cette anecdote, pour ceux qui connaissent un peu Maison Grise, Pierre Cross, Lucas Studio, j'avais fait une vidéo qui s'appelle Venez raconter vos anecdotes de stars. Donc je vais vous montrer vite fait la miniature, hop comme ça, voilà. Je vais vous le montrer ici, voilà. Cette vidéo, donc ça c'est sur mon site internet, j'ai raconté mon anecdote sur ma rencontre avec Oli. C'est celle-ci justement que j'ai rencontrée, enfin que j'ai racontée, et c'est celle donc de la vidéo que j'ai tournée. Donc je vous remets le partage d'écran dessus. Donc voilà, cette anecdote que j'ai racontée, c'est celle qu'il y a dans Une excellente journée. J'étais super content de l'avoir croisée. Donc là c'est les premières rencontres, donc premier partenariat, première rencontre 2020, ça commence à faire un peu plus, enfin, au moins 1 an et demi que je fais des vidéos. Donc voilà, j'ai commencé fin 2018, après il y a eu tout 2019, là on est début 2020, donc on approche des 1 an et demi. Et là, j'ai pas l'objectif du coup de faire une vidéo par jour parce que je l'ai déjà fait, mais je continue de publier régulièrement. J'espère publier un livre en maison d'édition, enfin publier un livre au départ tout court, mais au final ça va être en maison d'édition sur cette année-là. Donc voilà, les projets avancent tranquillement. Et là, oui, l'erreur du joueur français, pour ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu, c'est là. Écoutez bien les conseils parce que là, j'ai fait une erreur. Donc, c'est le confinement en fait. Il y a eu le confinement et pendant le confinement, tout le monde était chez soi, tout le monde consommait du contenu et tout le monde a explosé ses stats. Tout le monde, sauf moi, parce que moi, je sais pas, c'était le confinement et je me suis dit, bon, bah, pour le confinement, je rentre chez mes parents et puis voilà, je mets un peu en pause YouTube et je reprendrai après. Grave erreur, j'aurais dû tout simplement continuer de publier beaucoup de contenu parce que justement, comme tout le monde était chez soi, bah, c'était là où j'aurais pu toucher le maximum de gens et avoir une très grosse croissance. Il y a d'autres youtubeurs qui ont eu une très grosse croissance grâce au confinement et qui ont dit ouais, le stream, ouais, YouTube, c'est devenu fou grâce au confinement. Bah, tout simplement, moi, j'ai loupé l'occasion. Donc, si j'avais un conseil à vous donner par rapport à ça, c'est de vous dire, si vous voyez que parfois il y a des opportunités externes, n'hésitez pas à les saisir et à vous dire, voilà, je tente ma chance, je vois ce que ça donne. Là, par exemple, le confinement, je n'avais pas capté que c'était une opportunité. Donc, du coup, je suis passé à côté. La deuxième opportunité à côté de laquelle je suis passé, si je devais vous donner un autre exemple pour bah, tout simplement vous donner un partage d'expérience, c'est celle de TikTok. Je m'y suis mis qu'en janvier 2022, j'aurais dû m'y mettre bien avant. Mais voilà, ça, c'est les deux choses que je voulais vous dire. Si vous lancez dans la création de contenu, faites attention à ce qui vous entoure. N'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à tenter des choses. Et si vous voyez des opportunités, saisissez-les. Voilà. C'était les petites infos que je voulais vous donner. Donc voilà, là on passe sur l'erreur du joueur français. Donc là on arrive au confinement, donc mars 2020. Je vais vous montrer où on en est tout simplement. Hop, alors je vous remets les statistiques. Donc l'été 2020, donc là on est en janvier, vous voyez, février, mars. Et vous voyez, on a une croissance qui est totalement normale. C'est-à-dire que au départ ça a mis beaucoup de temps à démarrer. Là on a une croissance qui est normale. Sur la fin ça s'accélère, on y reviendra. Mais voilà, là on est sur le confinement et on n'a pas eu d'explosion. On est tout simplement dans la continuité de ce qu'on a déjà fait. Ah, j'ai rebu un coup, désolé si vous avez eu une petite coupure. Hop, je vous remets le partage d'écran, je me remets sur la vidéo et on est reparti, on avance. Donc, mes premières fois. Alors là, 2021, on commence un peu à rentrer dans le vif du sujet, tout simplement. On commence à avoir des grosses collabs, des gros partenariats, des choses super sympas, des bons retours d'expérience et des bons souvenirs. Donc, pour vous les remontrer, on a tout simplement déjà le feat, enfin la vidéo YouTube, non. Le tournage, je vais y arriver avec Olivier Mine. Olivier Mine, c'est celui qui fait Fort Boyard. Donc, j'ai fait un jeu télé. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez le replay qui est disponible sur mon site internet. Donc, vous avez tout simplement bah, la vidéo avec Olivier Mine, ce jeu télé qui dure 45 minutes. C'est lui face à moi et je réponds à des questions pour essayer de tout simplement, bah, ça te fait monter dans une échelle de gain ou descendre si t'es moins bon. Donc, voilà. Ensuite, pour vous montrer les autres choses, on a tout simplement les 5 millions d'abonnés. Enfin, simplement. La moitié de toute façon du challenge dont je vous parlais, là on a fait de 0 à 10K, bah 5K, on était à la moitié. Et pour la petite anecdote, j'avais fait un montage fond vert, comme je suis en train de faire là, vous voyez, là je suis en montage fond vert, et bien j'avais fait un tournage comme ça où je disais ouais je tourne dans le décor de Squeezie et c'était un mini prank. Bon, ça se voyait très bien que j'étais pas dans le décor de Squeezie, il n'y avait aucune probabilité que j'y sois.
Mais voilà, je disais, ouais, on est dans le décor de Squeezie, et moi, dans ma tête, je me disais, bah, peut-être qu'un jour, tout simplement, on finira par tourner avec Squeezie, qui est un youtubeur qui m'a accompagné enfin, derrière l'écran depuis des années, que je suis depuis ultra longtemps, la girafe, la lampe, etc., pour ceux qui se rappelleront de ces époques-là. Et ensuite, donc, second jeu télé, je sais plus dans quel ordre ils étaient, je sais pas s'ils avaient mis premier jeu télé en fonction des dates de sortie, mais voilà, c'est les jeux télé qui sortent, donc c'était une aventure que j'avais envie de vivre. 2021 également. Il y a la publication du livre donc, qui est sorti en juin 2021. Donc d'ailleurs, j'en parle dans le passage télé à France 3 Occitanie. Donc voilà, vous voyez là, c'est les premiers passages en fait, premier passage à la radio, les deux premiers jeux télévisés, premier passage télé en tant qu'invité, et également premier feat avec un youtubeur. Donc comme vous l'avez vu, c'est le feat avec Thibaut InShape. Donc voilà, Thibaut InShape, un youtubeur que j'ai pu rencontrer. Bah, en tournage, voilà. Enfin, il avait posté une annonce pour faire un. Il avait besoin de gens pour faire une vidéo YouTube. J'ai postulé, j'ai été retenu car j'avais une chaîne YouTube et je faisais des vidéos. Et voilà, il voyait que j'étais à l'aise face caméra. Et ma première rencontre avec un YouTuber du milieu et où je me suis dit, waouh, ouais, c'est super cool et tout, j'adore ce qu'ils font. Et du coup, j'ai envie d'en savoir plus bah, sur tout simplement ce qu'ils font. 2022. Alors là, on rentre dans toutes les. Dans cette année, tout simplement, bah parce que là, actuellement, au moment où je vous tourne la vidéo, on est en décembre 2022. Donc, peut-être tu la regardes dans quelques mois ou quelques années. En attendant, là, on arrive sur les shorts. Donc, j'ai mis tous en short. Les shorts, c'est quelque chose que j'ai négligé, comme je vous disais, avec les vidéos verticales où je ne voyais pas trop d'intérêt. J'étais vraiment, en fait, ancienne école à me dire non, il n'y a que les vidéos longues, comme je suis en train de faire actuellement, qui valent le coup. Les autres, ça vaut rien. Alors que non, pas du tout, en fait. C'est Darwin qui disait ça et c'est une citation que je trouve très intéressante. Donc, j'ai envie de te la partager. C'est tout simplement. L'espèce qui survivra, c'est pas forcément la plus forte, c'est pas forcément la plus intelligente, mais c'est l'espèce qui sera le plus capable de réussir à s'adapter aux évolutions et aux changements du monde. Et je trouve qu'elle est complètement vraie, c'est-à-dire qu'il faut réussir à s'adapter à son temps. Et là, actuellement, bah, les vidéos verticales, c'est en vogue, les vidéos verticales, ça marche bien, les vidéos verticales, c'est ce que les gens consomment. D'ailleurs, dis-moi si tu consommes plus de vidéos YouTube classiques ou des vidéos verticales, style TikTok, Instagram Reels ou YouTube Short. Ça m'intéresse parce que ça me permet aussi d'ajuster ma création de contenu, mais en parallèle, voilà. C'est quelque chose dont je me rends compte et je commence à faire mes premières vidéos. Donc, elle commence en janvier des vidéos. Et là, vous voyez, on a les prémices des théories foireuses. Donc, théorie sur Cyprien et Squeezie. Squeezie avait prédit les résultats des hits des années 2000. Donc, si tu connais pas les théories foireuses, c'est un concept que j'ai inventé et qui prouve des choses absurdes. Mais voilà, c'est du second degré, même troisième degré, tout ce que tu veux. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent au premier degré. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a autant de commentaires, qu'il y a autant de réactions. Et encore les dernières, tu les as pas vues, mais c'est encore plus impressionnant. Donc voilà, donc là je commence les premières vidéos verticales, donc le short, je regarde ce que ça donne. Au niveau de la croissance, bah tiens, on va aller faire un petit tour, voir en janvier 2022, on en est où? Donc tout simplement en janvier 2022, donc là vous voyez 2021, on commence 5000, 7000. On a une croissance à chaque fois au niveau du mois, vous voyez, hop, mai, juin. Là on a une croissance avril, mai, juin, à peu près. Ah non, là c'est octobre, donc ça c'est le feat avec Thibaut InShape. Donc voilà, là on est en janvier 2022, donc on commence à 6000 abonnés cette année. Et je viens de remarquer qu'on a doublé le nombre d'abonnés en un an, donc c'est énorme. Donc voilà, et là il y a l'arrivée des YouTube Shorts, donc hop, on passe à 7000 abonnés grâce aux YouTube Shorts. Et là, bien sûr, ce qui va nous faire faire le bond de 7008 à 9007. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Je vais te refaire le partage d'écran, tu vas très vite capter. Voilà, je te laisse mettre la suggestion dans les commentaires si tu as une idée. En attendant, on reprend avec la suite. Et donc, ce qui nous a permis en fait de faire ce bond à la fin. Donc les 10 000 abonnés, on les aurait atteints dans tous les cas, bien évidemment. Mais c'est vrai que là, il y a eu un petit coup de boost et un petit coup d'accélération. Donc, c'est tout simplement cette vidéo. Voilà, je propose un feat à McFly et Carlito. Enfin, pas vraiment cette vidéo, mais le fait qu'ils aient réagi sur leur chaîne YouTube au livre que je leur ai envoyé. Si tu vois pas de quoi je parle, bah, je te redirige tout simplement. Hop, je te fais un petit partage d'écran sur mon site internet. Là, tu as l'extrait McFly et Carlito. En fait, j'ai envoyé un livre à McFly et Carlito pour leur proposer de faire un feat qui fait 590 pages en format A4 et ils ont accepté. Donc si t'as pas vu cet extrait, je t'invite à aller le voir sur mon site internet. Donc c'est lucasbrasier.com, rien de plus difficile. Ensuite, pour reprendre ces derniers éléments donc, que je voulais te partager, c'est les virages à 90 degrés. Pff, me demande pas pourquoi j'ai mis ces titres-là. Je sais pas, j'avais une idée. Je propose un feat à McFly et Carlito. C'est une vidéo en mars où je montre que je leur envoie le livre, je leur donne une première fois. Ça marche pas forcément. J'ai persévéré, je leur ai renvoyé en juin. Alors, juste pour ceux qui se posent la question, c'était pas une approche forceur dans le sens où en mars, ils m'ont pas dit on fait pas de feat. En fait, je leur ai donné le livre une première fois, ça a rien donné. Donc, je me suis dit je leur renvoie. Ils m'ont pas dit oui, ils m'ont pas dit non, faut tenter. Et ça a donné ce que ça a donné et ce que vous avez vu justement. Ensuite, en avril, donc j'ai raconté des anecdotes par rapport au tournage avec Squeezie.
Donc, c'est le tournage que j'ai pu faire. Donc, où est-ce qu'il est, le Où est Charlie Géant que j'ai pu faire. J'ai pu y participer. C'était un tournage de dingue. Je crois qu'honnêtement, actuellement, là, en décembre 2022, sur tous les tournages que j'ai pu faire, que ce soit télé, que ce soit également, enfin, passage radio, ou même, vous voyez, les feats avec d'autres youtubeurs, c'est vraiment celui-ci qui a été le plus impressionnant. Pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, il a tout simplement privatisé la U Arena pour faire un tournage avec 1500 figurants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1500 figurants, c'est énorme. Donc, si jamais vous avez des questions au fur et à mesure par rapport à ce que j'ai pu dire, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Aussi, j'ai pas fini la vidéo, mais je préfère vous le lâcher. Si vous êtes encore là, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient la chaîne, ça fait super plaisir et ça permet un meilleur référencement. Et n'oubliez pas également que vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit. Et comme ça, on va aller chercher après les 20, 30, 40, 50, puis un jour les 100 000 abonnés. Un jour, je sais pas quand. 2023, 2024? Allez, on prend les paris. Pour reprendre là où on en était, donc voilà, la vidéo avec Squeezie, vraiment un super souvenir. Donc je l'ai passé en. Vous voyez qu'elle est en privé parce qu'on m'avait demandé justement, la prod m'avait dit de la retirer. Donc voilà, ça, il n'y a pas eu d'histoire ou quoi que ce soit. Ils m'ont juste dit, ouais, Lucas, faut retirer parce qu'il ne faut pas trop parler l'aspect envers du décor des tournages et tout. Donc j'ai fait, ok, pas de souci. Donc j'ai retiré la vidéo. Et l'expérience humaine super à vivre. Donc là, c'est là que je commence à faire mes premiers tournages avec Lucas Studio, avec Sora. Donc voilà, je commence à rencontrer des grands youtubeurs du milieu. Donc ça me fait super plaisir. Moi, j'adore cet univers YouTube. De toute façon, vous l'avez peut-être vu. C'est en fait YouTube. J'ai été bercé à YouTube pendant des années collège, lycée. Et là, je le rends un petit peu dans le sens où je me verrai à faire de la création de contenu pour les autres en espérant leur faire passer un bon moment, un aspect un peu plus divertissement. Au départ, j'étais beaucoup centré sur les études. Maintenant, j'essaye d'élargir à du grand public, à beaucoup plus de monde. Et là, cette vidéo, ce n'est pas une vidéo divertissement, enfin un petit peu pour raconter l'histoire, mais c'est surtout aussi pour vous donner des conseils et vous montrer aussi que c'est possible, tout simplement. Il n'y a pas de ouais, YouTube c'est fermé, YouTube on ne peut pas réussir ou tel réseau social c'est mort. Non, il y aura toujours de nouveaux créateurs de contenu, de nouvelles créatrices de contenu. Donc il faut tout simplement croire en soi, comme je dis dans chaque vidéo, dans chaque contenu, croyez en vous et osez. Et tout simplement persister, continuer, continuer, et vous verrez que ça continuera. Enfin, si vous persévérez. Vous verrez que vous réussirez à débloquer de nouvelles opportunités et même à réaliser vos rêves, tout simplement. Moi, mon rêve, c'était de faire de la création de contenu à plein temps. Maintenant, je le fais et j'en suis super content, super heureux. Ça me laisse le temps de faire des vidéos verticales, de faire des vidéos un peu plus format long. Et voilà, de vous proposer tout simplement du nouveau contenu, d'aller rencontrer des youtubeurs qui m'ont inspiré et qui m'inspirent toujours. Donc voilà, petite parenthèse, séquence émotion. On repasse tout de suite dans le vif du sujet. Donc après il y a eu la collab avec LVMH qui m'ont contacté, donc Louis Vuitton. Cette vidéo, alors ça, cette vidéo, attendez, vous voyez celle-là, Parcoursup. Celle-là, je voulais vous en parler parce que tout simplement, c'est une vidéo qui est sous-cotée sur la chaîne. J'étais certain qu'elle allait faire des dizaines de milliers de vues et elle a fait 5 000 vues, mais elle peut toujours repartir parce que je sens qu'elle repartira un jour. Mais vraiment, cette vidéo, pour vous dire ce que c'est une vidéo où c'est une parodie du générique de Pokémon intitulé Parcoursup. Mais chanté par le chanteur des génériques officiels de Pokémon. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, donc je salue Jean-Marc Anthony Cabeillat s'il passe par là. Maintenant, on se connaît bien et tout, on se suit sur Instagram, on est potes, on discute, on se voit souvent sur des conventions. Mais cette vidéo, c'était une masterclass, je le remercie encore d'avoir participé. Donc voilà, j'avais envie de vous la remettre en avant parce qu'elle est tout simplement géniale. Et si vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller la regarder, à la partager. Moi, je vois là. C'est une vidéo, ça fait partie, vous voyez, des checkpoints. Vous voyez, je vous ai parlé de gros tournages, grosses collabs, etc. Mais ça, c'est une rencontre de fou humainement. Et c'était un super moment à vivre. Donc voilà, on a créé ce contenu. J'en suis très fier. Je crois que ça se voit que j'en suis très fier de ce contenu. Donc, on passe à la suite. 2022, 10% du premier objectif. Donc là, comme vous le voyez, on continue. Je vérifie que je suis parti dans le bon sens. Oui, je suis parti dans le bon sens. J'ai cru que j'avais reculé et que j'étais pas allé dans le bon sens. Donc là, on le voit, ma réaction, 10 000 abonnés sur YouTube. Et ce qui a fait donc, c'est le fait que McFly, ce qui a fait qu'on atteigne les 10 000 abonnés, c'est le fait que McFly et Carlito parlent du livre dans leur vidéo et qu'ils acceptent de le feat. Donc comme on peut le voir, hop, je me retire. Donc là, voilà, la vidéo sort. Donc on atteint les 10 000 abonnés assez rapidement. Donc voilà, on atteint les 10 000. Et après, là, ce qui a fait la croissance, on va voir ce qui est responsable du reste de la croissance. Mais en attendant, voilà, c'était le livre de McFly et Carlito qui nous a fait tout simplement passer de 7 500 à 10 000. Donc il nous a fait atteindre premier palier des 10 000 abonnés. Donc voilà, ça c'est aussi. Alors RB Design, voilà, je lui fais une petite pub, c'est gratuit. Voilà, il fait des trophées sur bois où il fait également plein de choses sur bois. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez des commandes à faire. Il a un compte Instagram. Donc voilà, c'était une petite promo gratuite qui n'était pas prévue. Mais voilà, on soutient les créateurs en tout genre, créateurs de contenu, créateurs aussi qui font des objets physiques. Et comme je suis très satisfait de ce qu'il a fait et de notre collaboration là-dessus, je voulais vous le partager.
Pour revenir, 10% du premier objectif. Donc voilà, là on voit les YouTube Shorts qui continuent. On atteint les 10 000 abonnés suite à la vidéo avec McFly et Carlito. Et là on arrive aussi à la fin des études supérieures. Donc voilà, en septembre 2022, fin des études, terminé. Maintenant je suis à plein temps sur la création de contenu et ça j'en suis super content. C'est vraiment un rêve qui se concrétise au bout de 4 ans. Et pour vous montrer la suite, tout simplement, je vais vous montrer 2022, la team premier degré en PLS. Alors ça, c'est les théories foireuses. Ça, il faut qu'on en parle un petit peu. Donc je vais me mettre un peu sur le côté gauche, là, voilà, comme ça, en ce petit... Waouh, la magie du montage en direct. Si vous voulez savoir comment je fais du montage en direct, n'hésitez pas à me le dire, peut-être je vous donnerai quelques astuces, mais vraiment, c'est un truc, c'est trop bien. Donc ça, voilà, ici, je ne suis pas encore habitué aussi, vous avez vu au côté droite-gauche dans quel sens on regarde. Donc pour le remettre, ça... Les théories foireuses, en fait, c'est un concept où il y a un dialogue entre deux personnages que je joue, et du coup, c'est une argumentation, comment vous dire, un peu comme ceux qui ont vu la vidéo du livre avec McFly et Carito. McFly comporte 5 lettres, tout comme Lucas, Fit comporte 4 lettres, et tous ensemble, on est 4. Vous voyez, c'est ce genre de délire qui a aucune logique, où c'est comme si vous disiez, voilà, telle équipe, elle marque 15 buts, telle équipe, elle marque 11 buts, 15 moins 11, ça fait 4, or, il y a eu 4 buts pendant le match, donc c'est qu'il est truqué. Vous voyez, ce genre d'argumentation qui a aucune logique, sauf que le problème, c'est qu'il y a énormément de premiers degrés sur les réseaux sociaux, et du coup, il y a beaucoup de gens qui le prennent premier degré. Donc j'ai dit qu'Amine avait truqué le match France-Espagne, que Joyka avait volontairement explosé sa voiture au GP Explorer, et après je l'argumente, et du coup, c'est des vidéos qui font beaucoup de vues et de visibilité, et du coup, bah moi après, je suis là, je regarde, je fais, ouais, bah on continue, c'est un concept qui marche bien, je pense que ça peut être un concept qui devient un peu un concept phare, comme vous avez eu... Antoine Daniel, enfin pas phare dans le sens ultra populaire pour tout le monde, mais dans le sens Antoine Daniel, vous l'avez identifié à What the Cut, Mathieu Sommet à SLG, joueur du grenier, bah, il y a Papy Grenier, toutes les vidéos qu'il peut faire. Et je pense que du coup, on peut avoir un concept à nous, genre théorie foireuse égale Lucas Brasier. Donc ça met du temps à s'installer, il faut que le concept continue à prendre en popularité et continue à croître. Mais vous voyez, c'est à force de persévérer, de tenter des concepts, voir ce que ça peut donner, on finit par trouver des concepts qui peuvent marcher et du coup, comme ça, aller proposer à une bah, plus large échelle, tenter, voir sur YouTube ce que ça donne, sur TikTok. J'ai des petites anecdotes à vous donner. Maintenant, c'est le moment anecdote pour ceux qui sont restés vraiment assez loin dans la vidéo. Donc, maintenant, donc je fais de la création de contenu, je fais des partenariats donc avec des entreprises pour mettre en avant leurs produits, donc post-sponsorisés, etc. Donc, tout ce qui est sponsoring. Mais je fais également aussi des interventions dans les écoles supérieures, c'est-à-dire dans des écoles de communication, commerce et digital. Je donne soit des conférences, soit des cours aussi. Parfois, je suis des classes à l'année où je leur donne des cours, donc tout ce qui est social media. Si ça t'intéresse de voir ce que c'est, tu pourras aller voir bah, sur Internet à quoi correspond social media. Mais c'est tout ce qui est en rapport avec création de contenu sur les réseaux sociaux. Créer une audience, voilà, vendre des produits, mettre en avant des produits. Enfin, c'est en fait social media pour te le faire dans le sens large, c'est tout ce qui touche aux médias sociaux, donc réseaux sociaux, articles, blogs en ligne, presse en ligne. Enfin, c'est assez vaste comme sujet. Ça me permet en fait d'aborder plein de choses avec les étudiants et c'est super cool. Et ils sont d'ailleurs très satisfaits bah, des cours qu'on peut avoir ensemble. Tout ça pour en venir au fait que j'ai des étudiants qui me connaissaient et du coup, c'était assez drôle, c'est-à-dire que. En fait, il y a des étudiants qui me connaissent alors soit de la vidéo avec McFly et Carlito, donc du livre. En général, j'ai à peu près 20% de la classe ou un quart de la classe qui me connaît du livre de McFly et Carlito. Donc c'est énorme. Tu te dis sur une classe de 20 élèves, tu en as au moins 4. En fait, ils me reconnaissent pas, mais quand je leur dis, vous avez vu la vidéo de McFly et Carlito, vous avez vu le livre, oui, bah j'ai fait celui-là. Ils font ah. Et du coup, ils refont le lien. Ou soit, également, récemment, j'ai eu aussi des étudiants qui me connaissaient de ma théorie foireuse sur la reine d'Angleterre, donc qui est juste ici. Donc autant sur YouTube, elle a pas trop marché, elle a fait 3 000 vues. Autant sur TikTok, elle a fait 1,4 million actuellement en termes de vues. Enfin, c'est assez démesuré en termes d'audience et de trafic touché. Et du coup, quand j'ai parlé des différentes créations de contenu que j'avais pu faire, les théories foireuses à un moment, et je leur ai montré celle sur la reine d'Angleterre, et il y en a qui m'ont dit, bah, attends, je t'ai déjà vu? Et du coup, j'étais là, j'ai fait, wait, il y a des gens derrière TikTok qui regardent vraiment des vidéos et qui se souviennent de ce qu'ils ont vu. Donc voilà, c'était la petite anecdote que j'avais envie de te partager. Donc on arrive tout simplement à la fin. Donc je vais te montrer aussi la croissance pour terminer donc sur la partie création de contenu. Donc voilà, je me retire la caméra 2 secondes. Donc tu vois, 2018, on commence, là on fait la croissance, on atteint les 30 abonnés, hop. Au bout d'un long moment, on dépasse les 100 abonnés, 200 abonnés à la fin de la vidéo avec, enfin du concept Les Voix du Net. Là, ça monte. Après, ça redescend parce qu'en fait, comme j'ai fait une transition musique à études supérieures, bah, les gens de la musique, ils s'en fichaient des études supérieures. Donc entre abonnement, désabonnement, ça s'est équilibré. Ensuite, ça a repris, ça a recommencé à avancer. Donc là, les vidéos quotidiennes, ça a permis de bien booster la chaîne. En plus, j'étais sur un seul sujet. Ça aussi, c'est un sujet qui est super important. Quand vous commencez sur les réseaux sociaux, vous voyez que sur un seul thème, parlez pas de tout. Essayez de vous spécialiser sur une thématique. Vous faites beaucoup de vidéos et comme ça, vous devenez une référence de votre thématique. Donc, je vous remonte la suite.
Donc là, hop, je peux remettre sur le côté, on avance, 1500, 2000. Donc là, la rentrée assez plat, vous voyez. Une traversée du désert, donc 2600 abonnés, 2040. Donc pendant longtemps, plusieurs mois, je continue à créer du contenu et ça donne rien. Donc ça arrive, vous voyez, ce genre de chemin plat, ça arrive et il ne faut pas en avoir peur, il faut continuer de créer du contenu si c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous passionne. De toute façon, vous passerez ces périodes de creux et vous arriverez à vous réinventer. Ensuite, 2600, donc là on continue à avancer, 2800, 2009, on atteint les 3000 abonnés en mars, on continue la croissance, tac tac tac, donc juin, juillet, septembre, on commence la rentrée en septembre 2020 avec 4000 abonnés, donc on continue. En gros, par année d'études, je prenais à peu près 2000 abonnés, donc c'est une approximation, mais voilà, on est à peu près sur plus de 1000 abonnés par an, donc voilà. Et ensuite, hop, 4500, 4600, 4700. Donc on atteint les fameux 5000 abonnés où je fais la vidéo dans le décor de Squeezie en février 2021. Et c'est en février 2022 que je me retrouve à tourner avec lui à la U Arena. Donc ça, c'était une rencontre de fou, comme je vous ai dit. Donc là, on continue la croissance. Là, on passe de 5000 à 5004 en juin. Donc ça, c'est Parcoursup qui nous fait ce premier bond. Donc là, on continue. Là, il y a le feat avec Thibaut InShape. Donc on passe de 5009 à 6200 à peu près. Donc voilà, on gagne 300 abonnés. Ça continue, là on stagne entre ceux je pense qui m'ont suivi suite à la vidéo de Thibaut InShape mais qui n'aimaient pas mon contenu, qui sont des abonnés, les nouveaux abonnés qui arrivent et qui s'abonnent. Aussi la période de novembre-décembre sur ma chaîne est une période creuse, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui s'abonnent parce que tout simplement comme c'était une chaîne sur les études à l'époque, bah, du coup novembre-décembre les gens ils cherchent pas trop encore leur orientation. C'est plus au mois de janvier quand il y a Parcoursup qui commence à arriver, tes choix dans les études supérieures, etc. que les gens commencent à se pencher dessus. Donc, oui, j'ai plein de sites overlay là, comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, c'était une petite transition qui ne servait pas. Mais j'avais envie de vous montrer tous ces overlays. Ensuite, je voulais avancer là-dessus. Donc, octobre 2021, on avance, 6000. Donc là, on a un bump. Donc, 2022, ça, c'est les shorts qui nous font prendre cette croissance. Là, 7500. Donc, 7800 à 10 000. Donc, ça, c'est la vidéo avec McFly et Carlito. On atteint les 10 000 abonnés. Et là, on continue la croissance qui va quand même relativement vite, je suis en train de m'en rendre compte, c'est-à-dire que là on était à quoi 7008 en juillet, ouais en 6 mois on a fait bah ouais plus quasiment, enfin pas encore x2 mais presque, et ce qui fait que la croissance continue comme ça et que la chaîne a pris une grosse croissance aussi là en novembre 2022, c'est les théories foireuses. Les gens, en fait, les théories foireuses c'est un concept comme je vous ai dit qui divise entre les second degrés que ça fait rire et qui disent bon ok je comprends que c'est du second degré, ça peut pas être vrai. Et la team premier degré qui réagit beaucoup dans les commentaires, du coup la vidéo se référence mieux. Mais donc la team second degré s'abonne, la team premier degré commente, donc les vidéos marchent et font des centaines de milliers de vues. Donc c'est pour ça, je pense que c'est un concept que pour 2023, je vais continuer d'exploiter et d'explorer et voir ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est la croissance de la chaîne sur 5 ans bientôt, enfin 4 ans on va dire. Enfin, elle a été créée comme je vous ai dit en 2017, donc on a dépassé les 5 ans. Donc voilà, les premiers abonnés en 2017. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retirer de cette vidéo, vous, à titre personnel, qui êtes encore là? C'est que tout simplement, la création de contenu, c'est du long terme. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, quand vous voyez des créateurs ou créatrices de contenu qui sont là et que vous vous dites, oh, je sais pas, tel créateur de contenu ou telle créatrice de contenu, elle est apparue de nulle part, ou oh, elle s'est fait mettre en avant, du coup, elle a eu sa communauté, c'est pas mérité, ou elle n'a pas travaillé pour avoir son audience, etc. Voilà, c'est un graphique que je voulais vous montrer parce que je trouve qu'il est assez représentatif. Voilà. Donc vous voyez là, il y a 5 ans de travail. Je sais en fait, je fais cette vidéo en décembre 2022. Je n'ai pas encore fait, comme je t'ai dit, le feed avec McFly et Carlito. Mais je suis sûr et certain que dans mes commentaires, d'ici quelques mois, quand on aura fait le feed avec McFly et Carlito, bah, il va y avoir des gens dans les commentaires qui vont dire pourquoi ils ont choisi de faire un feed avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. Tu mérites pas, tu as été mis en avant alors que ce n'était pas justifié. Et vous voyez, il y a des gens, quand vous allez vous lancer dans la création de contenu, qui vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, ou peut-être quand vous serez lancé et que ça va commencer à marcher, qui vont vous dire que vous ne méritez pas. Si vous avez envie de faire de la création de contenu, le conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de ne rien lâcher. Vous en fichez du regard des autres, vous tracez votre route, vous avancez et vous verrez le nombre d'opportunités que ça vous a ouvert. Et après coup, vous ferez, j'ai bien fait de ne pas lâcher en fait, j'ai bien fait de tenir le coup. Moi par exemple, vous voyez, 2018, je ne montrais pas ma tête. En octobre 2018, donc je commence les vidéos face cam. Enfin, 1er novembre, je mets mes premières vidéos face cam. Fin novembre, il y avait déjà des gens de ma classe qui étaient au courant que je faisais des vidéos sur YouTube. Vous imaginez la puissance des réseaux sociaux? En fait, j'avais commenté une vidéo et quelqu'un connaissait quelqu'un de ma prépa et du coup l'avait transmis à mes élèves de ma classe, quoi, et qui du coup bah, me faisait des remarques dessus, me taquinait, etc. Donc c'est une période où je me suis dit, tiens, est-ce que j'arrête la création de contenu? Est-ce que je supprime ma chaîne YouTube? Est-ce que je passe à autre chose? Est-ce qu'ils ont raison? Ça marchera jamais, il faut pas que je me lance. Bah non, je me suis dit, c'est pas eux qui m'ont décidé pour moi. Je vais croire en moi et je vais voir ce que ça donne.
Et ça a donné toutes les opportunités que vous avez pu voir, que ce soit les rencontres humaines. Donc derrière les feeds, c'est toujours des rencontres humaines. Et moi, je suis super content d'avoir croisé le chemin de certains youtubeurs ou certaines présentateurs télé, des gens qui écrivent des articles dans les journaux que je pouvais suivre, etc. Et de me dire, en fait, tout simplement, voilà, tu rencontres des gens que tu pouvais suivre derrière ton écran. Et en fait, tu vis un rêve éveillé, quoi. Tu pars en fait de tout en bas et tu réussis à petit à petit grind et à monter et à voir ce que ça donne. Donc voilà, actuellement, on est aux 13 600 abonnés, comme vous pouvez le voir. On va continuer notre croissance sur les réseaux sociaux. Fin 2023, je ne sais pas du tout où on en sera. Si vous voulez faire un prono dans les commentaires, bah allez-y, hein, l'espace commentaire, c'est fait pour ça aussi. Personnellement, pour 2023, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de continuer des vidéos comme ça, donc c'est-à-dire en montage en direct, donc avec des durées variables. Là, on est sur une vidéo assez longue, mais je pense que les vidéos comme ça en montage en direct, ça me demande 0 seconde de montage, donc c'est ultra pratique. Donc je vais continuer à faire des vidéos comme ça. Je vais en faire aussi des vidéos montées, donc c'est-à-dire avec beaucoup plus de dynamisme, etc. Mais je pense que je suis sur un entre-deux, c'est-à-dire que pour te donner un dernier conseil, si tu veux te lancer dans la création de contenu, là actuellement, je suis dans un entre-deux où tu vois, au départ, quand tu te lances, je te conseille de faire plein de vidéos sans montage, c'est-à-dire t'appuies, tu filmes, tu publies. Là, je suis sur un setup PC assez élaboré avec fond vert et tout, où je fais toujours aucun montage. C'est du montage en direct que je fais là, quand je te parle, etc., où je peux faire des zooms et tout. Mais je pense que quand on va continuer de... Quand on va atteindre les 50, 100 000 abonnés par là, faudra que je commence à faire des vidéos avec full montage, c'est-à-dire bah, des vidéos de qualité professionnelle. Mais je ne suis pas encore à un stade où c'est le ROI, donc retour sur investissement, est assez intéressant pour faire des vidéos full montées qui me prennent 20 heures à faire et du coup avoir une croissance qui est exponentielle. Donc 2023, qu'est-ce que je me souhaite et qu'est-ce que je vais essayer de faire? On va continuer les shorts, on va essayer d'en publier le plus régulièrement possible, on va continuer de creuser le concept des théories foireuses pour voir bah, ce que ça donne et comment ça peut évoluer. On va continuer également de faire des vidéos où on tente des choses, comme un peu je propose un feat à McFly et Carlito. Il y en a d'ailleurs d'autres qui sont dans les backstage en train d'être préparés, donc j'ai hâte de te les partager, toujours pour partager cette valeur du croyez en vous et osez, pour tenter des choses qui paraissent impossibles et montrer aux gens que finalement bah, c'est qu'une question de détermination et de volonté. Et ensuite, on va continuer à faire, donc comme je vous ai dit, des vidéos où on monte en direct également, où on va les monter en post-prod pour les plus gros événements ou les plus grosses collaborations. C'était tout! 37 minutes de vidéo. Bravo. Si jamais tu es encore là, écris le mot. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot pour voir? Ah oui, bah Larzac, tout simplement. Vous l'avez vu aussi. Bah voilà, Larzac, c'est l'occasion d'en parler. Il y a plein d'happenings, enfin plein de private jokes qui se sont débloqués avec la chaîne et qui ont été développés au fur et à mesure du temps. Et du coup, parmi ces private jokes qui ont été développés, il y a celle donc bah, qu'on buvait que de la cristalline et que également. Si on ratait tous nos études, à l'époque où j'étais en études, je disais ça, on irait tous élever des chèvres dans le Larzac. Et j'ai toujours dit, aux 10 000 abonnés, j'organise un voyage dans le Larzac, aux 10 000 abonnés, j'organise un voyage dans le Larzac. On a atteint les 10 000 abonnés, donc je vais devoir tenir ma promesse. Donc voilà, 10 000 abonnés, on l'a fait. Donc bah, été 2023, il faut que j'organise un voyage dans le Larzac. Donc ceux qui écrivent Larzac dans les commentaires, c'est des gens qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Et si jamais un jour vous voulez y participer, je verrai comment j'organise tout ça. Bah, ce sera avec grand plaisir pour vous y recevoir. En attendant, comme je l'ai dit juste avant, n'hésite pas à liker la vidéo, ça fait plaisir, ça soutient. Et n'hésite pas également non plus à t'abonner. Donc voilà, l'abonnement, c'est gratuit, ça coûte rien et ça permet aussi de soutenir la chaîne, ça fait super plaisir. On va essayer de se retrouver à partir d'aujourd'hui pour un rythme beaucoup plus régulier. J'espère faire 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi à 16h. On va voir si j'arrive à tenir la cadence, en plus des vidéos verticales, en plus des cours que je donne, en plus des collaborations, en plus de tout ça. On va le faire et j'espère que toi. Est-ce que tu as, ce sera ma dernière question, après je vais couper la vidéo, est-ce que tu as des objectifs pour 2023? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais accomplir? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais réaliser? Donc voilà, si tu as des objectifs comme ça, n'hésite pas à me les partager dans l'espace commentaire, je te répondrai et on verra, comme ça on pourra faire le point fin 2023 sur ce que ça a donné. Je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier.